Et nous revoici pour une deuxième vidéo de Among the Sleep. Alors la dernière fois on avait eu l'introduction et on avait fini en cherchant un éléphant rose, en jouant à cache-cache avec notre ours en peluche qui parle. Parce que je me suis pas trop arrêté sur ce détail tout de même important, on a un ours en peluche qui Do you parle. think the music box still works? Alors est-ce que la boîte à musique fonctionne? Eh ben on va regarder, on a vu la dernière fois qu'on pouvait escalader. Et voilà, on va pouvoir. That's a nice melody. Et voilà, une jolie boîte à musique. Bon, on va descendre. Il a l'air tout mignon. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Il y a marqué Aurore sur la boîte et bon, n'ours en peluche qui parle, je le sens pas. What's this? Alors, pour l'instant, on va lui faire confiance, on n'a pas le choix. Alors. Five thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. C'est mignon. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. C'est un peu moins mignon. D'accord, un conte pour enfants glauques. Ah, le train. On va Does jouer it au train. run? How do you start it? On va appuyer sur le bouton, j'imagine. Round and round and round. Et voilà. Hey, Plein de pick livres me up aussi. and carry me on your back. I want to show you something. Alors, on va l'attraper. We need some place very dark. Ben bien sûr, allons trouver un endroit bien How sombre. about your closet? Dans le placard, ben oui. Quelle bonne idée. Allons-y. Et moi, hop, je vais juste faire un strike au... D'accord, ok. Je n'ai rien fait. Et donc on va rentrer dans le placard. Après ce formidable échec au bowling. Alors... It has to be darker. Shut the doors completely. Bien sûr, évidemment. It has to be darker. Shut the doors completely. Je le sens pas. This will do nicely. Ah. I hope there are no monsters in here. Oui, moi aussi j'espère. J'espère fortement If parce you qu'en plus... ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might Ah. feel a little bit safer. Oui, parce que moi j'aime pas les... Ah, on n'a pas le droit d'être là en plus. Parce qu'il est petit en plus le placard, hein. Ok. Il est petit, accueillant, tout ça. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? On est déjà dans le... Ah oui. Les écritures. Remarquez cette écriture extraterrestre, j'en reparlerai. Et on respire. Voilà, on a eu un petit aperçu de ce que peut nous offrir ce jeu. You've got to stop hiding from mommy. I hope you had a good birthday, hon. Mommy would be very sad if you didn't. Mais oui, on a passé une très bonne And journée. now it's time for C'est la bed. nuit qui m'inquiète. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day.
Oui, si on dort bien. Ça, c'est pas vrai. Mais bon. Et voilà. Je me suis arrêté là la dernière fois. Donc là, je vais découvrir. Je pense que les choses sérieuses commencent. Il fait encore nuit. Oula. J'ai rien fait. Je n'ai touché à rien pour l'instant. Je regarde, c'est tout ce que je peux faire. Ouais, alors l'hélice c'est pas censé bouger tout seul. Ok. Et là c'est parti. Alors si je ne me trompe pas, j'ai vu Teddy, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle l'ours. J'ai vu Teddy voler. Et je peux me relever aussi. Ouais. Les bruits sont inquiétants. Et voilà, c'est écrit en langage extraterrestre. Et je pense que c'est écrit comme ça juste parce que notre personnage ne sait pas lire. Et c'est assez bien fait, mais alors là pour l'instant, j'aime pas du tout ce que j'entends. Des cris. Peut-être ouvrir une porte, non? Évidemment. C'est fermé? C'est fermé ou on peut pas l'atteindre? Voilà, on va pouvoir escalader. Faut le rapprocher. Alors, c'est parti. Voilà. C'est des cris, hein? C'est bien des cris que j'entends. Qu'est-ce que c'est que ça? Salle de bain. Ah, d'accord. Je crois que j'ai compris ce qui est en train de se passer. Eh oui, évidemment. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon. En tout cas, les cris se sont arrêtés. C'était Teddy. Ça va pas être sympa de passer à la machine. Alors, on va peut-être pas aller s'enfermer dans le premier placard venu. Hein. Je vais juste voir s'il y a quelque chose d'utile. Mais on a déjà assez donné pour ça. Ouais, tout est écrit en langage extraterrestre. Hein. On ne sait pas lire. Ok, j'aime pas ça. Alors. Est-ce qu'on peut envoyer un ballon pour voir s'il y a quelque chose en bas? Ah,
puis un silence total, on entend grincer le bois. C'est... Ok, alors Teddy, il m'a dit que je pouvais le serrer contre moi pour me rassurer, mais alors là, il l'aide pas à me rassurer. Il y a des trucs qui grincent dans tous les coins. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est une trousse à outils. C'est un extincteur. J'ai pris pour un bonhomme. Non, à une autre poupée. Celle-là ne parle pas, elle a l'air un peu plus normale que notre Teddy. Ah. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Ou alors maman est juste peut-être pas du tout ordonnée, mais... Tout à l'heure on avait l'impression d'être... Oula. Oulala. Ok. Ah, c'est l'orage. Apparemment on n'aime pas l'orage. Pour l'instant il n'y a rien d'anormal. Ils arrivent quand même à... Ah, ouh là là, qu'est-ce qui vient de... Il y a la manette qui vibre. Il y a un truc qui vient de casser. De tomber. Ce sont les battements du cœur que j'entends. On dirait. Eh bien, ce qu'il y a dans la cuisine, eh bien, on le découvrira dans la prochaine vidéo. C'était El Rossellino pour Old Warrior Gaming. Et à la prochaine!